En dépouillant au fil des années les fonds d'archives publics ou privés, en pénétrant dans les plus grandes collections françaises ou étrangères, Jacques-Charles Gaffiot, fondateur du Centre d'études et de recherche sur les collections de la Maison de Lorraine et du Roi de Pologne, exhume peu à peu les chefs-d'œuvre qui faisaient l'orgueil des palais lorrains. Lentes et laborieuses, ses investigations lui ont permis d'écrire en 2004, en collaboration avec Xavier Perlade, Oraison funèbre de Stanislas Leszinski, roi de Pologne, duc de Lorraine. Une oraison prononcée en présence de Monseigneur le Dauphin le 12 juin 1766. Elle est suivie de la description de la pompe funèbre de Stanislas Leszinski, faite en l'église Notre-Dame le 12 juin 1766 par Monseigneur de Boisgelin, évêque de Lavaur. Jacques-Charles Gaffiot, sous la direction éditoriale de Paul-Henri Guermont-Pré, vous fait partager sa passion des palais lorrains des XVIIe et XVIIIe siècles avec une magnifique préface de Marc Fumaroli.